La vérité déchirante sur la mort de sa fille a complètement fait chuter Jacques Marin. Jacques Marin a commencé sa carrière en tant que comédien de théâtre avant de devenir une figure emblématique du cinéma français. Il est connu pour ses rôles dans de nombreux films, notamment dans des comédies populaires telles que La Grande Vadrouille et Les Aventures de Rabbi Jacob. Au cours de sa carrière, Jacques Marin a travaillé avec certains des réalisateurs les plus célèbres de l'époque, tels que Jean-Pierre Melville, Louis Buñuel et François Truffaut. Sa carrière a duré plus de 50 ans et il a été nommé pour plusieurs prix prestigieux au cours de sa vie. Jacques Marin est né le 9 septembre 1919 à Paris, en France. Ses parents étaient des artistes de cirque et Jacques a grandi dans cet environnement jusqu'à ce que la Grande Dépression des années 30 affecte gravement l'industrie du cirque. Il a alors été envoyé dans un orphelinat où il a passé une grande partie de son enfance. À l'âge de 16 ans, Jacques a quitté l'orphelinat et a commencé à travailler dans une usine de chaussures. Cependant, il avait une passion pour la comédie et a commencé à prendre des cours de théâtre en parallèle de son travail. Il a rapidement commencé à jouer des rôles au théâtre et a été remarqué par des producteurs de cinéma pour son talent. En 1947, Jacques Marin a décroché son premier rôle au cinéma dans le film « Un flic » de Maurice Canonge. Bien que son rôle ne soit pas important, cela a lancé sa carrière au cinéma et il a commencé à apparaître dans de nombreux films par la suite. Au cours de sa carrière, Jacques Marin a joué dans de nombreux films mémorables qui ont laissé une impression durable par le public français et international. Voici quelques-uns de ses rôles les plus mémorables. La Grande Vadrouille, en 1966, Jacques Marin a joué le rôle de Le Peintre dans cette comédie culte française. Il a apporté une touche d'humour et de légèreté au film en interprétant un personnage excentrique et drôle. Les Aventures de Rabbi Jacob, en 1973. Dans ce film, Jacques Marin a joué le rôle du chauffeur de taxi. Il a contribué à l'humour du film en interprétant un personnage qui est constamment en train de courir après l'extravagant Victor Pivert, joué par Louis de Funès. Le Samouraï, en 1967, Jacques Marin a joué le rôle de l'inspecteur dans ce film policier de Jean-Pierre Melville où il a porté une touche de réalisme et d'authenticité au film en interprétant un personnage crédible et convaincant. Le Voleur, en 1967. Dans ce film de Louis Malle, Jacques Marin a joué le rôle du général. Il a apporté une profondeur émotionnelle à son personnage et a contribué à faire de ce film une œuvre mémorable et poignante. Ses rôles ont montré la grande versatilité de Jacques Marin en tant qu'acteur, passant facilement d'un personnage comique à un personnage dramatique et crédible. Cela a contribué à sa longue et réussie carrière au cinéma. La vie de Jacques Marin a été marquée par une tragédie qui a profondément affecté sa famille et sa carrière. En 1976, sa fille unique, Dominique, a été enlevée et assassinée à l'âge de 22 ans. Cette tragédie a eu un impact dévastateur sur Jacques et sa femme qui ont lutté pour surmonter leur douleur et leur chagrin. L'enlèvement et le meurtre de sa fille ont également eu un impact sur la carrière de Jacques Marin. Il a interrompu ses activités professionnelles pour se consacrer à la recherche de sa fille et à la poursuite de ses ravisseurs. Bien qu'ils aient finalement été arrêtés et condamnés, Jacques Marin n'a jamais pu surmonter complètement la perte de sa fille bien-aimée. Cette tragédie a laissé une marque indélébile sur Jacques Marin et a eu un impact sur sa vie personnelle et professionnelle. Malgré cela, il a continué à travailler et à poursuivre sa passion pour la comédie et le cinéma, mais il a toujours gardé la mémoire de sa fille dans son cœur. Son travail au cinéma a inspiré de nombreux acteurs et réalisateurs et son talent continuera à être reconnu et célébré par les générations futures. La fin de la carrière de Jacques Marin a été marquée par une série de tragédies personnelles. En 1985, sa femme est décédée d'un cancer, ce qui l'a profondément affecté. Il a continué à travailler au cinéma, mais ses rôles étaient de plus en plus petits et il se plaignait souvent de ne pas être reconnu pour son travail. En 1992, Jacques Marin a été victime d'un accident vasculaire cérébral qui l'a laissé partiellement paralysé et incapable de parler. Il a été contraint de prendre sa retraite anticipée et a passé les dernières années de sa vie dans un état de santé précaire. Il est décédé le 10 janvier 2001 à Cannes, en France, à l'âge de 81 ans. Malgré la fin tragique de sa vie, Jacques Marin restera dans les mémoires comme l'un des acteurs les plus talentueux et polyvalents de l'histoire du cinéma français. Son travail a influencé de nombreux acteurs et réalisateurs et il est considéré comme l'une des figures emblématiques du cinéma français de l'après-guerre. Si vous avez apprécié cette histoire et que vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire du cinéma français, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous vous invitons également à partager cette histoire avec vos amis et votre famille pour que la mémoire de Jacques Marin continue d'être célébrée. Merci de nous suivre.